La dame de Brassempouille est née il y a environ 30 000 ans, sculptée dans de l'ivoire de mammouth. Cette petite tête féminine mesure 3,6 cm de hauteur. Elle est née une seconde fois lorsqu'elle a été découverte en 1894 dans la grotte du pape à Brassempouille dans les Landes, lors des fouilles menées par Édouard Piette. Conservée depuis 1904 dans la salle Piette du musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, elle est à ce jour une des plus anciennes représentations d'un visage humain et nous apporte une image de la femme paléolithique, faisant d'elle la plus célèbre et émouvante œuvre d'art préhistorique.